épidémie de rougeole, 80 décès sur 28 747 cas notifiés. Depuis la réapparition de l'épidémie de rougeole, le début du mois d'octobre dernier, plusieurs districts de la Grande Île sont touchés. Selon les statistiques publiées par le ministère de la Santé publique, 80 décès ont été enregistrés. La majorité des victimes étaient des enfants, mais les adultes n'en étaient pas épargnés suite à la complication liée à la rougeole qui entraîne d'autres maladies telles que la diarrhée pour les cas des adultes. Mais ce qui a aggravé la situation selon l'enquête effectuée par le ministère de la Santé était la non-consultation médicale, l'automédication, et cela favorise également la propagation de la maladie. Toujours selon le nombre publié par le ministère, 28 747 cas ont été notifiés dans toute l'île et 3 715 cas suspects ont été répertoriés durant la campagne de riposte de rougeole effectuée dans 25 districts de la Grande Île. Antananarivo, avec 57 décès enregistrés, Ambatbouin, Chimadzanga 1er, Ambatlamp, Marvoy, Mourdave sont les plus touchés par l'épidémie de rougeole. La campagne de riposte de la rougeole qui s'est tenue durant la semaine dernière dans les 25 districts de la Grande Île est une grande réussite pour le ministère de la Santé publique et notamment pour la lutte contre l'épidémie. 94% des centres de santé de base de ces districts ont pu atteindre les résultats escomptés. 1 950 000 enfants de 9 mois à 9 ans sur l'objectif de plus de 2 millions ont été vaccinés contre la rougeole. Dr Mantura Kudwarvundi, directeur de la promotion de la santé, a souligné que l'objectif est atteint, celui de vacciner 95% des enfants entre 9 mois à 9 ans.